Quoi de neuf tout le monde, c'est Rayton. Aujourd'hui on se retrouve sur Uncharted Lost Legacy. On est parti pour continuer le jeu. La dernière vidéo m'avait éclaté à la faire et j'ai eu beaucoup de bons retours. Beaucoup de gens qui ont liké la vidéo, beaucoup de gens qui ont commenté, qui disaient qu'ils voulaient voir la suite du jeu. Ouais, une libellule. Aujourd'hui on est parti pour continuer le let's play. Normalement la vidéo aujourd'hui on va essayer de commencer à chasser le trésor. Et regardez comment c'est beau. C'est trop beau. Ok, elle est où Nadine? Nadine Morano, t'es où? Hé hey. Je sais pas du tout où elle est partie. Donc, on va continuer le jeu, on va voir ce qui va se passer. Je suis ultra impatient. J'ai adoré faire la première vidéo, c'est une des vidéos les plus fun à tourner. Ok, on est parti, on va sauter là. Oh! J'aurais vraiment pas dû manger ce burger. Je suis trop grosse pour ces conneries. J'y réfléchis. Je vais bien en fait. Comment je pourrais traverser? Ah bah oui, je peux. Aïe! Ok, je sais pas où je vais, En vrai, je pense qu'il faut que je passe par là, il doit y avoir une technique. Okay. Ah voilà, donc là où je mets la corde. Ta 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 ta. Allez, bougez les oiseaux, j'ai pas le temps pour vos conneries. Aïe. Ok, on va monter un peu. On peut monter? Pourquoi je peux pas monter? Maintenez L1 enfoncé. Ok, L1 c'est ça. Ok, donc là je suis bien. Donc là je vais essayer de passer par là-bas. Oh, regardez. Oh, c'est stylé. Je me sens comme Spider-Man. Yes. Ouais, toujours là. Nadine, elle m'aide pas beaucoup. Hein. Ok, on est parti. J'adore l'escalade dans ce jeu. Mais vu que ça fait très longtemps que j'ai pas joué au Uncharted, je me souvenais plus trop de comment ça fonctionnait. Allez, tends ma main. Renifle-moi ce parfum. Je me suis pas lavé ce matin. Non, ça me dérange pas. Okay. Moi aussi. J'aime bien avoir le contrôle. C'est clair. Oh oh. Moi aussi, j'aime bien avoir le contrôle. Donc là, on est en voiture. Oh, j'adore. J'adore les voitures. Si vous profitez un peu de ce havre de paix. C'est vrai que c'est un havre de paix. J'ai une question bête. Ouais. La prochaine fois, comment tu sais que la défense est toujours là? Moi, je sais pas où je vais. Elle se serait retrouvée dans un musée depuis le temps, non? En plus, j'ai vu aucune expo sur les Hoysala. J'avais jamais entendu parler des Hoysala avant ce boulot. En fait, c'est la faute de leur dernier roi. Je passe par là. Un type jeune et insouciant qui a dilapidé les richesses de son empire. Il a bâti une nouvelle capitale pour abriter la défense. Ensuite, il a mené les Perses aux portes de la ville. Et aujourd'hui, nous... Je sais pas où je vais, et je sais pas si je conduis bien, mais c'est très fun. Ouais, des singes! Attendez, attendez, j'ai mon imitation. C'est mon imitation du singe, laissez-moi tranquille. Hé, hey, regarde ça! Des flamants! Des flamants roses! Ce jeu est trop cool. Allons les écraser! Non, je déconne. Attends... Aïe, aïe, aïe. J'ai dit que j'aimais bien prendre le volant, j'ai jamais dit que je savais conduire. Hein. Ça, c'est encore un cliché. Ok, on va aller voir les flamands. Wouhou! Bonjour les flamands! Oh, mais attendez! Est-ce qu'il n'y a pas comme. Vous savez, comme dans tous les films, etc., il y a toujours genre des grottes souterraines sous les cascades. Je pense qu'on doit passer par là en voiture. Ah oui, du coup, ça nous permet d'aller là. Allez, c'est reparti, bébé! On the road again! Non, 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 on the road again! Attends, on va passer par là. Je sais pas si ça passe avec la voiture, je pense que si. Yes! Ça rafraîchit. Sarah, fraîchit. Oh non. Comment s'appelle Sarah? Sarah fraîchit. Ok, on va passer par là. Alors, ça fait du bien de sortir un peu, non? Loin de la ville. C'est plus calme. Tu reviens souvent ici? Non. Pas vraiment. Oh. Attention encore, ralentis. Oh. Regarde un peu ça. Les ruines Hoysala. Est-ce que c'est là qu'on doit entrer? Tu vas aller voir. Oh yes! L'ancienne capitale. L'ancienne capitale, je sais de quoi je parle. Allez, Bidou et Bélour. Je croyais que c'était Ganesh et Shiva. Hmm, bah, je vois que tu m'écoutes. Ganesh était le gardien d'Allez, Bidou, la toute nouvelle capitale d'Hoysala. Shiva était le gardien de Bélour, l'ancienne capitale. Ces sculptures sont bien jolies. Mais pas vraiment une défense efficace. Une défense? Parce qu'on cherche une défense. Je dirais plutôt. On est encore à la périphérie. Je savais pas que t'étais archéologue. L'archéologue, c'était plutôt mon père. Je suis qu'une voleuse, tu te rappelles? Hé, y a pas un treuil sur la voiture? On dirait. Ah! Super, ça devrait suffire pour cette porte. T'as l'intention de l'arracher? Exactement. Quoi, t'as de la dynamite? C'est toi l'experte. Je prends ça pour un nom. J'aimerais bien avoir de la dynamite. Donc comment je fais? Je vais prendre le truc sur la voiture. Et du coup, après, on va arracher la porte. Ça paraît être une bonne idée. On le prend. Ta ta la ta 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 ta.
Et du coup, on l'accroche là. Parfait. Easy. Ça devrait faire l'affaire. Quoi ? Merde ! Merde ! Oh 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 ! Boum 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 ! Boum 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 ! Ils ont pris en embuscade ! Fuck ! Tango ! Tango Charlie ! Ok, non, juste là, derrière le mur. Tango ! Yes ! Peut-être que j'aurais peut-être pas dû utiliser le flingue, mais... Fuck ! Ok, c'est fini. Ok. Petite roulade pour s'enfuir. Oh, ok. Donc, maintenant, on sait qu'ils sont là. Attends, est-ce que c'était... Est-ce que c'était les gens de... Comment dire, est-ce que c'était les gens qui nous cherchent ou pas? Ou est-ce que c'est juste des gens qui défendent la porte? Je sais pas. Ok, on va voir la marche arrière. Allez, allez la vieille Betsy. Ah, la vieille Betsy, elle sait comment ça fonctionne. Moi, elle est une autre voiture, elle est forte. Hein. Ok, on va passer comme ça. Ah, bienvenue au parc safari. Ici, vous trouverez des singes. Et accessoirement, moi. Moi, c'est un singe. Juste surprise, c'est tout. J'aurais imaginé du genre plus discrète en matière de ruines indiennes. Dans bah, c'est par là. Un métier, la sensiblerie. Et je sais pas du tout où je vais. Y a pas de GPS ici. Sérieusement, je viens de faire un tour pour rien. Apparemment, oui. Hop, on va monter là-haut pour l'instant. C'est vraiment ma... Genre là, en fait, je profite juste du paysage. J'ai pas trop envie de commenter. Est-ce qu'on doit aller par là? Non, je pense pas qu'on doit encore aller dans les chutes. Les chutes du Niagara. Attends, là, si là on passe comme ça. Je suis totalement en train de visiter, je suis un touriste. Comment on pourrait monter là-haut? Est-ce que. Ah, t'es qu'il faut passer à l'intérieur de la chute qui est là? Non? Oui? Oui? Non! Ah, c'est vrai que là, il y a une porte. Ok, donc faut que j'aille là. J'avais pas vu qu'il y avait un pont. Du coup, maintenant, je peux y aller. Hop, roulade. J'adore faire les roulades. Qu'est-ce qu'il y a de plus fun dans un jeu que de faire des roulades? Regardez Sonic, il fait que des roulades. Ok, on est parti. Désolé. Mais c'est un gros 4x4. On va l'appeler la grosse Betty. Non, la grosse Betsy. C'est une gamme, Betsy. C'est juste de gros rongeurs volants. Techniquement, pas vraiment. On a découvert la cave de Batman. Plus proche des primates et des lémuriens. Ok, je vérifierai. Ok. Allez, allez, ah, allez. Ça passe pas. Ça passe pas par ici, donc on va devoir peut-être changer de chemin. On va passer par là. Ah, mais là, il y a un tronc d'arbre. Je sais pas quoi faire. Du coup, on peut aller nulle part en fait. Peut-être si je prends un peu plus d'élan. Allez, on va tout taper avec de l'élan. Yes! Oui! Avec un peu d'élan, tout passe! Parfait. Est-ce qu'il y a encore ça à faire? Il y a de la boue partout. Pourquoi il pleut? Allez! On pousse! Non, 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 non! Oh là, mais je vais tuer quelqu'un là. Et si je passe par là, attendez. Voilà, là ça passe. Fallait que je passe sur le caillou. Caillou égale roue. Ok. Est-ce que là il faut continuer à y aller? En vrai, c'est vraiment le parc safari. J'adorerais faire une excursion comme ça avec une voiture. Oh, on l'a trouvé. Il y a Sav. T'as de bons yeux. Merde. Il a tout un bataillon avec lui. Donc c'est bien lui qui nous a attaqué. Il est encore à l'intérieur. Je trouve ça flatteur qu'ils nous prennent tant au sérieux. Il faut qu'on passe cette porte. Chaque chose en son temps. Faut d'abord qu'on s'occupe de tous ces cœurs. T'as un plan? Ouais. Bien sûr. C'est quoi le plan? On va foncer dessus avec la voiture? Ou est-ce qu'on y va un par un? Attends, est-ce que... Je sais pas, attendez. Si je sors, est-ce qu'elle sort avec moi? Ok. Parce que je me suis dit, imaginez, genre, on y va, on fonce avec la voiture. Ah, si j'avais un sniper, là, je pourrais le défoncer celui qui est là-bas. Pas besoin de sniper. Ah, 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 ah. En fait, moi, à chaque fois qu'il y a un mode furtif, je suis obligé de tout casser. Désolé. Ok. Oh, il y a un sniper. Oh, ils ont vraiment un sniper. Oh, la triche. Oh non. On avait dit pas de triche, les gars. Et là, vous avez fait quoi? Vous avez triché. Boum. Oh, oh, oh. Plus de munitions, plus de munitions. Dégage. Merci, ma belle. Attends, on va prendre une autre arme. Parfait. Comment on pourrait tuer le sniper? Parce que lui, il a une meilleure visée sur nous, je pense. Il est où? Ok, il est là-haut. Je l'ai eu. J'ai eu le sniper. Ok, il est où? Bonjour. Bonjour. Merde. On est là, j'ai tué absolument tout le délire de furtivité. Je savais que j'aurais dû être furtif. Mais avouez que c'est quand même beaucoup plus fun d'y aller en mode bourrin. Boum. Bourrin. Merde, elle a plus de munitions. Ah, comment ils savent que j'ai plus de munitions? Allez vous faire foutre. Dégage toi. Non, 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 non. Dégage. Oh non.
je suis mort. Faut tuer le sniper, je crois que c'est lui. Ok, ok. Ok, ça va, ça va. Pour l'instant, je me mets bien. Ok, on va se barrer un peu. Faut que je fasse gaffe. Parce que là, encore une fois, j'étais trop bourrin. Mais c'est ma vie. C'est comme ça qu'on m'appelle. C'est mon acteur porno. On m'appelle le bourrin. Le gourdin. Merci. Toi, tu vas me donner ton arme. Merci. Ça fera une de plus dans ma poche. Ils sont les autres. Ok, personne me tire dessus. Ok, lui. Lui, je l'ai vu. Ça, c'est les réflexes FPS. Ok, on est parti, on va monter là-haut. Je pense qu'il y en a encore deux ou trois là-haut. Ils sont. Ok, t'as tu meurs. Faut tuer tous les nuisibles. Or, il y a que des nuisibles dans ce jeu. Est-ce que là, il me voit si je me mets à couvert? Ok, c'est bon. Boum. Ils sont les autres? Je les vois pas. Ok, il y en a un là-bas. Et là, il y en a un là. Allez, on peut survivre. On y arrive. Allez, on y arrive. Ah. Je meurs. Faut que je mette à couvert. Ok, là-dedans, ça paraît parfait. Ok, yes. Là, je sais que je vais pas mourir si je me reste là-dedans. Je vais laisser Nadine tout faire. Toi, tu meurs là-bas. Il s'est pris pour qui? Ah oh, fuck. Au revoir. Il me faudra une nouvelle arme. Ok, on va prendre une là. Bonjour. Je tiens. Au revoir. Ils sont où les ennemis qui restent? Dites-moi où je me sens perdu. Yes, on a réussi. Il y a un truc là-bas, apparemment. Il faut monter à l'intérieur du camion. C'est vrai qu'il y a un truc à l'intérieur du camion, il y a quoi? Ok. On va crocheter un peu. Yes. Ok. Je sais pas ce qu'il y a dedans, j'espère qu'il y aura un bazooka. Oh. Un pistolet silencieux. C'est cool ça pour pas se faire repérer. Pense, ils sont où les autres? Elle dit qu'il en reste 7, je sais pas où ils sont. Je crois que ça y est. On a réussi? Du beau travail. Yes. Victoire. Gloire à Raytonia. Comment on fait pour aller là-haut? Ça a l'air un peu haut. Attends, on va regarder ce que Nadine elle dit. Elle a souvent des belles paroles. Dis-nous tout, Nadine. Pourquoi la seule fois où je veux que tu parles du thé? Attends, t'es qu'on peut passer comme ça. Ok, yes, on peut. Allez, 1 et 2 et 3 et 4 et 5 et 6 et 7 et 8. Et on va voir la porte. Ça doit être ça. Ok, on est parti. Allez, on ouvre. Elle a déjà pris la voiture, elle est super rapide. Pourquoi c'est pas elle qui a conduit la voiture? Elle est tellement meilleure que moi. Ok, on est parti. Parfait. Même la porte du haut s'est ouverte. Ah, du coup, on se sépare. On est comme dans Scooby-Doo. Et dans Scooby-Doo, quand tout le monde se sépare, on sait qu'il y a toujours les problèmes qui débarquent. Hop. Ok. Est-ce qu'on va descendre? Allez, parfait. Et lâche. Non? Peut-être que je peux pas lâcher encore? Ah, si. Aïe. Capable de conduire, tu sais. J'en doute pas, ma belle. Mais elle a conduit mieux que moi. Pourquoi je le force? Ok, c'est pas grave, on va aller là-haut. T'as la porte, il y avait rien derrière, il y avait encore que des feuillages. Que de la broussaille. Waouh. C'est vrai, mais on a un avantage. Pas comme ton copain, Asav. Les trois symboles. Regardons la carte. En vrai, c'est juste magnifique. Okay, il faut qu'on regarde la carte. On est juste là. Je vais le marquer au fur et à mesure. Ok, on est juste là. Et on doit aller au milieu, je pense. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse touk touk. Ok, c'est bon, ça devrait le faire. Ok, on est parti. Regarde cette tour. Faut que je trouve un pont. Je parie qu'on a une super vue là-haut. Peut-être. J'essaie de laisser parler les personnages. Hein. Quand ils parlent, j'essaie de pas trop parler. Attends, je vais faire un flip. Oh, c'était classe. J'ai eu la classe là. Laissez-moi tranquille. Okay. J'ai voulu faire un peu le film américain et ça a bien marché. Parfait. Je m'en fais pas pour lui, t'inquiète. Tu devrais. On n'aura pas deux fois l'effet de surprise. Il devait pas attendre beaucoup de toi. Non, c'était un compliment. Parce que ça ressemblait à un compliment. On y est ? Ces gens sont des idiots, mais Asav est... Il faut juste qu'on reste le plus loin possible de lui. Est-ce que c'est là qu'on doit aller ? Je vais regarder la carte. J'ai un peu du mal à comprendre, mais je crois que c'est là qu'on devait aller. Hein. À la Ghost Tour. C'est marrant qu'ils aient fait ça en l'honneur de ma bite. Attendez, est-ce que je dois passer par là ? Ok, ça sera un peu compliqué. Et des escaliers, d'ailleurs, hein, une raison. Ok. Je sais pas ce que je fais, mais c'est cool. Oh, on découvre les secrets. Il y a quoi ici? Il y a des bases. Oh, il y a un truc là qui brille. C'est tout. Ah, c'est quoi? Oh, examinons tout ce qu'on a. C'est le jeu de serpent à échelle. Il y a une carte là-dedans. Au moins, j'ai découvert un trésor que normalement on découvre pas forcément dans le jeu. C'est cool ça. Oh! Là, je suis une tortue ninja quand je suis monté sur la voiture. Je pense qu'il doit quand même avoir un truc à faire à la tour. C'est la tour Galamadriel à Bouillac. Faut quand même. Je pense qu'il y a un truc à faire. Sinon.
Je sais pas, une... La tour elle est tellement bien indiquée sur la carte qu'il va forcément y avoir un truc à faire ici. Ok, on va partir là. On va s'arrêter ici. Où est-ce que tu vas? Tu grimpes avec moi? J'aimerais bien, ouh, mais... Il faut bien que quelqu'un monte la garde, non? Ouais, c'est ça. Personne n'a envie de grimper avec moi. C'est toujours moi qui grimpe toute seule. Yes! Ok, on va grimper. On vient du ghetto pour aller plus haut. Ok. Là-bas, il faut que je dise la... Ah! Pourquoi j'ai fait ça? Je vous l'ai dit que j'aimais bien les films américains, mais pas à ce point-là. Vous connaissez le vieux dicton qui disait « Quand le singe frappeur frappe, les gens trépassent. » C'est un dicton que je viens d'inventer. Hop! Parfait. Skill, skill, skill. Allez, on continue. On monte. On monte vers la gloire et le succès. Je me sens super agile. Genre dans la vraie vie, je pèse genre 50 kilos. Mais dans ce jeu, je dois poser 10 kilos. Sérieusement, je suis agile à la fond, on dirait un félin. Hop. Regardez ça, sérieusement. Allez. Hop. Wouhou. J'ai fait mourir. Faut pas regarder en bas. Ah putain, faut pas regarder en bas. Faut toujours voir l'avenir. Putain, non. Bon, bah, l'avenir, bon, il est mort. Kwabunga. Wouhou. Non, non, non. Ah. Encore. On y va. Faut juste bien gérer la caméra. Ok, c'est parfait, c'est parfait. Donc là, il y en a encore un autre. Cette fois-ci, je vais essayer d'un peu plus prendre mon temps, parce qu'à chaque fois, je me jette. Mais je fais pas attention de exactement où je vais. Ouh là là, là on est bien. Allez, s'il te plaît, Fraser. Yeah, enfin. Ok, donc maintenant, je pense qu'il faut que je monte là-haut. Allez, de liane en liane. Je crois que j'ai trouvé, c'est pas ça? Attends, qu'est-ce que je fais là? Apparemment, il n'y a rien à faire. Donc on va continuer à grimper. Oh, j'ai trouvé un truc là-haut. Allez, yes! Tada! Ok, il y a quoi là? Voyons un peu ça. Je me demande ce que c'est. Je note pour plus tard. Je sais pas ce que j'ai noté. C'est vraiment joli. Ok, on va continuer. La hache de Shiva. La hache de Shiva. Numéro 2. Waouh. Dirigé droit vers ses ruines Oisala. Je me demande vraiment s'ils ont... Au creux de la montagne. Je me demande vraiment s'ils ont réussi à faire... sur la carte, avec une hache. Arrête de me couper la parole. Je me demande vraiment s'ils ont réussi à faire ce jeu en un an, parce que, après la sortie d'Uncharted, c'est vrai qu'ils ont eu qu'un an, au final, pour faire ça. À moins qu'il l'ait écrit en parallèle. La porte du trident. Encore une vieille forteresse. C'était mon coup. Juste au-dessus des chutes d'eau. Okay. Je vais le noter avec un trident. Et ça, je peux pas l'ouvrir, non? Je note beaucoup de choses, quand même. Hein. Et la dernière, la porte de l'arc. Et encore une vieille forteresse, en plein milieu du lac. Il y a quoi au milieu ? Un arc sur la carte à cet endroit. C'est quoi ça ? Oh oh ! Bon bah, genre c'est même pas nouveau. Oh. Vous êtes arrivé à l'étage restaurant. Ici vous trouverez des spécialités locales, comme le couscous. Bon du coup il faut que je fasse quoi ? Ah, c'est juste pour ça ? Fallait que j'aille juste dans un tour pour ça. Ok, bah du coup on va descendre. Hop. Ça va? T'as pas eu trop de problèmes? J'ai le coup de grimper. Et comment? J'ai trouvé les trois symboles. Vraiment? Ouais. Chacun était dirigé vers une forteresse différente. C'est sûrement là qu'il faut aller. Nickel. Pourquoi il y en a une, elle a un point d'interrogation? J'ai tellement envie d'aller... Ok, on va aller à celle avec le point d'interrogation parce que je pense que les autres, du coup, vu qu'elles sont marquées, il y a une raison. On va aller vers celle qui a le point d'interrogation. C'est parti. Il y a encore des gens. Bon, quand faut y aller. Chut. Quand il faut y aller, faut y aller, hein. Ok, est-ce qu'on y arrive en mode boum badaboum? Oui! Ok, lui il est mort. Il y avait un sniper. Sniper, mort. J'aimerais trop prendre le sniper du coup. Ok, à toi là-bas. Jimmy la castagne et René l'embrouille. Déglinguez-les, déglinguez-les. Calme-toi aussi toi. Hein. Retourne manger du frilan. Ok, il y en a un là qui débarque. Oh là 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 là. Ok, ça fait boum boum dans tous les sens là. Il y en a un qui s'enfuit. Tu pourras jamais t'enfuir. On y va vraiment en mode mission secrète. Et tu meurs là-bas. Tu monteras jamais là-haut. C'est mon choix qu'on les a tous butés. Puis on a gagné. RS. Alors, qu'est-ce que RS, rien à signaler. On va reprendre la voiture, elle est où? C'est la... Oh, Red Mobile? Non, c'est la grosse Betsy. La grosse Betsy, c'est la meilleure voiture que t'aies jamais vue. Donc là, il faut que j'aille juste tout droit. Donc là, c'est cool. C'est parti. Je pense que là, dessus, il n'aura plus des gens à tuer. Parce qu'on les a tous tués. Ok, donc normalement, juste devant nous, il y a le secret. Il y a le point d'interrogation. Mr. Secret. Il y a quoi ici? Sur la paroi de la falaise. Tu
Tu vois cette voûte? Elle a l'air intacte. Tu viens? Je vais me dégourdir les jambes. Sur les parois de la falaise? Il y a une voûte intacte. Je suis pas sûr de voir de quoi elle parle. Ok, déjà on va aller là-haut je pense. On peut? Parfait. C'est quoi cet endroit? Bien vu. On a un endroit le plus secret de tous les secrets. J'aurais pas eu visiter les autres avant, mais celui-là elle a l'air cool. C'est quoi ça? Oh, des singes! Des singes? Même réaction que moi. Les singes, tout excité, c'est un peu bizarre ça par contre. Je pense qu'en vrai, là on peut sauter. Je pense qu'on peut se le permettre. Alors. Go! Non, peut-être pas. Au revoir. Oh, y'a quoi là-dedans? Oh, des statues de gens qui se grattent le ventre, c'est cool. Voyons voir. C'est juste moi ou ça ressemble à une carte? Oui! On dirait notre carte. Ça ressemble à une carte. Eh bien, je vais le marquer. Ok. Y'a quoi là-dedans? Intéressant. Ça ressemble bien à une sorte de jeton Oysala. Ok, on le prend avec nous. Y'a plein de hiboux ici. C'est quoi les symboles là-haut? Les symboles? Quel symbole? Je sais même pas de quoi tu parles. Y'a une fente. Juste la taille d'un jeton. Je tente ma chance. Oh, c'est une machine à sous. C'est un casino. Oh! Ouais. Il se passera quoi si on les trouve tous? Oh, si on les trouve tous, je pense qu'on va découvrir le gros trésor. Non? Est-ce qu'il est là-haut, du coup? Regarde-moi ce bracelet. Ça a dû appartenir à l'une de leurs reines. Ah, peut-être que si on arrive à tous les prendre, on pourra avoir le bracelet, je pense que c'est ça. Ces personnages doivent être les anciens rois Oysala. Ils étaient 11 en tout. 11? Oh oh, il y a une caisse, quelqu'un était venu avant nous. On va quand même la désamorcer parce que c'est fun. En vrai, ça j'aimais pas trop au début, mais au final, tu t'attaches un peu au délire. Voilà, regardez. Parfait! Premier coup. Je pense que j'ai découvert mon futur métier. Oh, un nouveau pistolet, on dirait la suite Star Wars. Et il y avait aussi ça là, je sais pas ce que c'est. On dirait une flûte. Du coup, on a coché là où on était allé. Ah, et du coup, sur la carte, c'est marqué tous les endroits où il y a le. Les petits jetons. Ok, tout le monde, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur The Uncharted 4 de Lost Legacy. Parce que on a fait pas mal de choses et là, je pense que dans les prochaines vidéos. On essaiera du coup surtout d'aller voir les trois zones principales qu'on n'a pas faites aujourd'hui. Mais on verra, je pense qu'il y a encore plein de choses à explorer, que le jeu, il y a plein de trucs. Mais...